Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Messelou Miguel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Parce que c'est tout simplement pouvoir avoir son propre serveur euh, sur Minecraft Pocket Edition. Donc, sur le téléphone. Donc, personnellement, euh, je n'ai pas Minecraft sur le téléphone. Enfin, Minecraft, ok, voilà. Je vais dire Minecraft dans cette vidéo parce que, à ce qui paraît, <laughs> j'en énerve plus d'un. Parce que, soi-disant, ça ne se dit pas Minecraft. Mais je parle comme je veux, hein. <laughs> Bon, du coup, on va, on va s'adapter. Voilà, je vous fais plaisir. Je vais dire Minecraft, ok mais je me sentirais pas naturelle dans cette vidéo! <laughs> donc vous marquez tout simplement serveur hosting for Minecraft Pocket Edition sur le téléphone. Si vous avez la problème de l'écrire comme moi, ben je vous mettrai un petit lien dans la description qui vous fera aller directement sur l'application. Donc comment j'ai découvert cette petite appli? Euh, c'est tout simplement, vous savez, que je suis en, en partenariat avec Location Minecraft, donc euh, c'est pour avoir des serveurs sur ordinateur. Et euh, bah ils m'ont tout simplement dit qu'ils avaient sorti une, une édition pour le Minecraft sur le téléphone. Donc je me suis dit, même moi, si je ne joue pas sur le téléphone, je pense que vous, ça peut vous intéresser, car je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui jouent sur le téléphone. Donc voilà, donc vous allez sur la première appli, donc c'est celle-ci, voilà. Donc du coup, bah, hop, voilà, est, nous on l'a déjà installée, elle est là sur l'accueil. Donc je floute l'endroit où j'habite, parce que oui, j'habite à Bruxelles, mais à un endroit bien spécifique. Et j'ai pas envie que vous sachiez où. Tout ce que vous pouvez remarquer c'est qu'il pleut actuellement. <laughs> que c'est la tristesse. Et qu'on se fait bien arnaquer parce qu'il fait 12 degrés et qu'on en ressent que 6. Bande enculée. Pardon. Donc voilà, on va cliquer tout de suite sur la petite appli. Please wait. Voilà donc vous, normalement, quand ça va être la première fois que vous allez vous connecter, euh, déjà il faut avoir un compte euh, location Minecraft évidemment. Enfin, je sais pas s'il si doit vraiment y avoir une. Je pense normalement que vous devez déjà avoir un compte location Minecraft, mais euh, sinon vous pouvez le créer. Je sais pas si les deux sont liés ou pas, mais je pense qu'il faut quand même avoir un compte Minecraft, euh, un compte location Minecraft. Donc aussi pour ceux qui seraient intéressés par les serveurs sur ordinateur, hein, je vous mettrai un petit lien de, dans la description de leur site et vous pouvez cliquer maintenant tout de suite sur l'image qui s'affiche pour aller voir ma vidéo où je présente le site. Mais là, nous sommes donc sur téléphone. Donc cette petite appli. Voyez-vous, j'ai déjà un serveur, donc je vous ai dit, quand vous allez vous connecter pour la première fois, euh, vous allez directement créer un serveur en fait. Il y a une image qui va apparaître. Euh, bah, attendez, je, si j'appuie là, voilà. Il y aura un truc comme ça, donc vous choisissez le nom euh, que vous voulez mettre. Donc moi, j'ai mis, euh, mis Miss Lolo YT, hein, Miss Lolo YouTube, t'as compris. Euh, voilà, si vous voulez le changer, <laughs> ça, ça coûte 25, euh, 25 tokens, donc euh, je vous conseille de choisir le bon quand même. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Donc c'est gratuit, donc c'est-à-dire qu'on a quand même pas toutes les fonctionnalités, mais c'est quand même gratuit. Et donc ça, ça c'est bien les amis, ça c'est bien parce que c'est gratuit. Et nous on aime tout ce qui est gratuit Donc, comme je vous disais, c'est limité, c'est-à-dire que vous pouvez donc mettre 3 players, donc vous pouvez jouer à 3 sur le serveur. Donc de toute façon, je pense que quand on est en Pocket Edition, on veut pas genre des serveurs à 10 000. Je pense que c'est même pas possible de toute façon. Donc euh, voilà, vous pourrez jouer avec, donc avec deux autres de vos amis. Après du coup, euh, si vous voulez 6 euh, players, 8 players, 10 players, eh ben, il faudra donc avoir acheté des tokens pour pouvoir les utiliser. Donc si vous pouvez voir l'adresse du serveur, euh, je m'en bats les couilles de la flotter ou pas, parce que de toute façon, euh, j'irai jamais dessus, puisque j'ai pas euh, Minecraft Pocket Edition. Et euh, si vous voulez vous amuser à aller dessus, de toute façon, il est tout le temps éteint, donc euh, voilà. Euh, du coup pour le lancer bah, c'est simple, vous appuyez sur le petit play, hein, donc je ne vais pas le faire, mais en gros ça lance le serveur et puis si vous voulez l'arrêter, il bah, y aura un carré comme le pose, pas carré comme le pose, un hein, carré comme le stop, et bah, vous l'arrêterez. Voilà donc on peut voir hein, les. On peut voir le nombre de players et tout ça. On peut donc changer le mode, on peut mettre survival, créative, aventure et spectateur. On peut changer la difficulté, normal, quoi. Enfin les, les classiques, euh, classiques petits paramètres de Minecraft. Ensuite, vous avez donc bah, toutes les fonctionnalités, euh, si vous voulez vous accepter qu'on vole, si vous voulez qu'on fasse spawn les mobs, si vous voulez aller dans l'ender, le, dans, dans le nether, etc. Si le pvp est activé, si les animaux spawn vous avez compris quoi, vous lisez tout ça. Donc on off, c'est très simple. On peut donc ensuite voir euh, les, les joueurs en ligne, donc vous pouvez voir là il y en a zéro, c'est normal, je vous ai dit, personne n'ira jamais dessus. <laughs> euh, vous pouvez voir les opérateurs, vous pouvez voir les gens bannis etc. Ici, vous pouvez choisir votre carte. Donc ça, c'est bien, parce qu'on peut choisir sa carte. Euh, je pense qu'il y aura des tutos sur un, Internet pour vous expliquer comment faire. Moi, je suis là juste pour faire une petite présentation de, de l'application. Euh, donc voilà. J'ai vu aussi, donc oui, en ouvrant l'appli, qu'on pouvait installer des plugins. Alors ça, je ne savais même pas que c'était possible d'installer des plugins sur Minecraft Pocket Edition. Enfin, Minecraft, c'est vrai, j'ai dit, je vous ai plaisir. Minecraft Pocket Edition. <laughs> Euh, je savais même pas que c'était possible, donc je trouve ça fou. J'avais cliqué dessus, je vous montre un peu. Please wait. Voilà, par exemple, donc un mode. un Enfin, mode, c'est des plugins, hein, mais moi bon, je dis mode. Euh, pour qu'il n'y ait que un contre un, donc ça fait une, une queue dans une arène, vous savez, genre euh, dès qu'il y en a un qui est mort, hop, c'est bon, ça fait de spawn deux autres et ils se battent ensemble. Euh, voilà, les autres je connais pas trop, mais vous voyez, il y a une bonne petite liste de plugins et je savais même pas que c'était possible sur le téléphone. Alors, ça, 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 ça met patate quand même. Voilà, et nous sommes arrivés en bas, donc en bas, la get token. Hein, donc, je vous ai dit, c'est les on va dire la monnaie du site quoi. Mais euh, si vous voulez déjà jouer à trois personnes, avoir un petit serveur à trois personnes, il n'y a pas besoin d'avoir de token. c'est gratuit donc c'est magnifique. Voilà, euh, si je quitte. Ah non, d'accord, ok, d'accord, ok. Non, non, non <laughs> Bon, en fait, je me suis déconnectée. Bon, vous voyez, du coup, je peux vous montrer euh, ce que ça faisait. Donc, quand vous vous connectez pour la toute première fois, voilà. Votre email et votre mot de passe. Login. Donc, je pense que oui, il faut bien avoir euh, déjà... Euh, faut déjà avoir un compte sur le, sur le site. Parce que du coup, il euh, y a bien écrit login et pas create. Donc, voilà. Donc, moi, je le remets. Hop Donc, là, vous faites login. Voilà, donc moi je retourne ici. Et si c'est la première fois que vous vous connectez, bah ça va vous afficher normalement ça. Mais c'est gratuit, il hein, n'y a pas les 25 tokens. Voilà. Euh, bon bah je pense que j'ai fait le tour de cette petite application, ma foi bien sympathique. Euh, je vérifie. Euh, normalement il n'y a plus rien. Bon après vous savez il y a la console ici. Il y a le support évidemment si vous avez des petits problèmes vous pouvez les contacter. Il y a leur Twitter. Il y a tout. Voilà. C'est plutôt bien. C'est il y a tout. Ah, c'est pour changer le mot de passe. Euh, voilà. Ça coûte combien Attendez, je vais voir, parce que moi je sais pas combien ça coûte. 100 tokens 1,19€. Oh, ça va. Franchement, c'est largement raisonnable, par exemple. Ah ouais, d'accord, oui. Ouais, c'est largement raisonnable. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu les prix si jamais vous comptez payer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Euh, donc j'ai fait vraiment ça pour euh, ceux que ça intéresserait parce que moi je vous ai dit je ne joue pas sur le téléphone. Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.